rassurait un petit peu. En même temps, je savais qu'ils étaient sublimes, surtout à cette période de l'année-là. J'avais cette idée que mon personnage avait tout plaqué. Je pense qu'évidemment, dans ce surnom qu'a mon personnage, qui s'appelle Victor Pandaloni, ce surnom de panda, c'était au tout départ, oui, un clin d'œil à cet animal qui fait partie de mon bestiaire musical, artistique. Oui. Ce qui est par contre, cette série n'est possible aussi dans son ton, dans son humour, dans ses vannes. Ou une série comme celle-ci, encore une fois. Le challenge était d'être le plus solaire et de faire le plus de bien possible. Ce qui comptait, c'était de me faire confiance, surtout. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors au départ, c'est un peu comme pour mes chansons. Je suis tout seul chez moi à essayer, chercher. Et puis petit à petit, j'ouvre un petit peu la porte vers d'autres personnes qui m'écoutent, me font répéter, etc. Et puis ensuite, on ouvre la porte un peu plus grand. Et là, on est avec un réalisateur, avec Ophélia, et on travaille, et on travaille, et on travaille. Et en fait, les choses se font de façon naturelle. De bons conseils. Moi, j'avais très très peur de possiblement me retrouver sur un tournage où peut-être je n'allais pas. J'ai grandi au milieu des taureaux, des chevaux, des flamants roses, d'un rapport respectueux à ce qui m'entourait, enfant, en l'occurrence la nature, la mer, enfin. Et voilà, dans les Cévennes, j'ai grimpé un tout petit peu plus haut, au-dessus de la Camargue, pour me rapprocher des chênes, de la forêt, de ces terres du protestantisme. J'avais commencé à goûter aux choses les plus jolies et inimaginables en musique, jouer dans des salles immenses, que ma musique soit écoutée, parfois très écoutée, sur les albums précédents. Dans ma liste de rêves intimes, il y avait l'envie de trouver un endroit dans lequel j'allais pouvoir vivre sereinement ces retrouvailles avec mes racines, et c'est ce que j'ai la chance de vivre maintenant au quotidien. Ce qui fait que le voyage désormais en TGV vers ici, vers Paris, ou vers d'autres endroits, parfois quand je suis en tournée, il est toujours joyeux parce qu'il est cohérent en fait. Ce voyage est choisi.